Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour essayer de devenir amis avec Robonian U. Ultime. Robonian voilà. U. Est-ce qu'il s'appelle Robonian Ultime? J'en sais rien en fait. Robonian J'imagine U. que oui, vu que sa quête s'appelle comme ça. Amélioration ultime, débloquable à partir du chapitre 9. Exactement, chapitre 9 de votre aventure. Normalement, vous aurez cette quête dans l'agence de notre chère Ariane. Et on est parti pour découvrir la quête ensemble. La prochaine requête est de Robonian. Il vient tout droit du futur. Mais on a barrière du futur. On est tellement balèze que nos clients viennent même du futur pour nous voir. Apparemment, il cherche quelque chose qui n'existe que de notre présent. Ça doit être très spécial s'il a fait tout ce chemin. Je me demande ce que ça peut bien être. Le client vous attend au point d'observation de la tour Excellence. En avant toute. On est rarement venu ici. Je crois même que ça doit être la deuxième fois qu'on y vient. La première fois, c'était la dernière fois, c'était les tortues Jobar. Ouais, les tortues de Dr. Jobar. On a défoncé d'ailleurs les trois tortues. Ah, ben le voilà. Le petit Robonian. Gigadin, tu dois être Robonian. Affirmatif, bip, je suis Robonian. Tu cherches quelque chose, pas vrai? On est là pour t'aider. C'est quel genre de truc? Tu peux nous donner quelques indices? Je cherche le robot légendaire de cette temporalité. Quel genre de robot? Une tête de lion féroce est gravée sur son torse, bip. Étrange, je crois que ça me dit quelque chose. Il a un microphone géant qu'il brandit comme une arme. Gigadingue, attends, t'as bien dit qu'un microphone? Tu parles sûrement de tiragofeu. Impossible, bip, comment le sais-tu? Ah, non seulement je le connais, mais en plus je l'ai piloté. Ça veut dire qu'on est les sauveurs du futur ou un truc dans le genre. Ou Sapien, sauveur du futur, ça sonne plutôt bien. Si vous voulez un autographe, on serait ravis de... Ces informations sont secrètes. Ah ok. Les humains qui en savent trop doivent être éliminés. Ah. Combat activé. Ah ok, ah, il a parti genre de... On se calme, d'accord. Je crois que c'était genre la police du futur. Les Robonian. Waouh. Alors, franchement, aucune idée, mais pourquoi tu nous attaques comme ça d'un seul coup, mon gars? Ah oui, d'accord, ça va. Bon, là, j'imagine qu'on va avoir un niveau plutôt pas trop mal pour faire ce combat. Ouais, je pensais si on discutait plutôt pour les problèmes. On pourra pas satisfaire ta requête si tu nous réduis en bouillie. Vous êtes trop puissants. Vous êtes des individus extrêmement dangereux. Non, c'est juste un malentendu. Oui, passez le témérité de Fluffy. Je ne peux pas vous vaincre sous ma forme actuelle, mais... Mais... Je reviendrai. Ah. Ah non, il y a une voix. Je reviendrai. Tu vois, il a pas vraiment une voix robotique. Chez toi, il y a un mec qui a squatté dans le truc. Ouais, grave. Chez moi, il y a un burger. Mec qui est dans... Ah, vas-y, ah, voyez, il est arrivé. Non, un burger, il nous a même pas laissé nous expliquer. Il est reparti dans le futur maintenant. Retournons à l'agence. Ok, mon gars. Wow, c'était rapide. Je viens du futur pour réussir là où Robonian a échoué. Dites adieu à ce monde. Encore? Ah ok, on les enchaîne. Ah mais il a évolué, il est plus Robonian. Il est en mode F. Il est en Robonian F. Il est en Robonian F. Ah ouais, mais en fait on va se taper toutes les formes inimaginables du Robonian. T'as tout compris. Malgré mes mises à jour, j'ai été vaincu. Eh bien, il va falloir t'installer d'autres mises à jour. Arrête, tu veux donner des idées. Merci pour ton conseil, je reviendrai. Ok. Combien de chers robots du futur on va encore devoir démolir? Bref, on rentre chez nous. Stop! On a burger, et c'est reparti? Ça devient répétitif! Oh oh. Bon sang, cela est énorme! Je suis Robonian 28! Ok, 28, on fait les mises à jour! Oh non, celui-là a sûrement passé une série de tests intensifs! J'ai été retouché jusqu'à la perfection, dites adieu à ce monde. Alors celui-là... C'est l'agile en mode boss. Déjà. Bah celui-là... Il va pas être donné. Ah ouais, d'accord. Ok, nice. Je sais pas si vous vous souvenez... combien pas. De personnes et combien nous avons souffert avec ce yokai dans Yokai Watch Blasters 1. Ouais, dans Blasters ça va. Enfin, dans Blasters, on avait galéré, c'est vrai. Mais là, on n'est pas en mode Blaster, donc ça devrait aller. Hein. Là, ça va, mais dans Yokai Watch Blasters 1, je me souviendrai toute ma vie à quel point ce yokai a pu me faire manger la poussière. En vrai, ça va. Pas trop de dégâts. C'est un truc de fou. Il est au taquet sur les âmes ultimes, par contre, il a pas le time, hein. Ah, toi aussi, il a... Non, moi, il m'en a laissé qu'une. Ouais, moi, là, il en a sa deuxième, personnellement. Waouh, méga recharge. Ah, c'est le truc qui nous faisait super chier dans Blasters. Ah, ouais. Oh la vache. Au niveau des âmes ultimes, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a une super âme ultime de Enma. Tiens, on va la lancer. Je crois pas l'avoir déjà utilisé, l'âme ultime de Enma, en fait. Attends, est-ce que tu penses qu'il va avoir sa forme de Robonian 3000? Je sais pas maintenant. Peut-être en combat après. Je sais pas.
Oh, ça serait intéressant. Oh, elle m'a fait mal. Il y a moyen qu'on se fasse le Robonian 3000. Franchement, il y a moyen qu'on se fasse le Robonian 3000 vu comment on est parti. Ah oui, puis pour ceux qui se demanderaient comment ça se fait que notre team a littéralement changé, on a gardé la team du live qu'on s'était fait quand on a débloqué le palais Enma, en fait, parce qu'on galérait à la quête contre Enma funèbre. Et un ticket retour pour le futur. Retente ta chance la prochaine fois. Négatif, je ne peux pas y retourner. Hein? Le Robonian verso 28 consomme beaucoup d'énergie. Je n'en ai plus assez pour rentrer. Pour moi, c'est un échec. Pour rentrer chez moi? Sérieux, il n'a plus d'énergie? Quoi? Je suis la version la plus avancée et je ne peux toujours pas vous vaincre. Et Robonian 3000 alors? Mais grâce à votre technologie et votre savoir supérieur, vous devriez savoir comment me mettre à jour et me rendre plus fort, Nia. Pourquoi on t'aiderait à devenir plus fort si c'est pour que tu nous élimines? J'avoue, il marque un point là. Bah oui, t'es chez lui. C'est d'accord. What? Mais il va falloir faire appel à des spécialistes. Compris, Nia. Penses-tu à quelqu'un en particulier? Il est temps de rassembler la brigade des geeks. La brigade des geeks? De quoi elle parle, bon sang? Avec à sa tête, moi-même. Ah. Mais même si je suis géniale, j'ai besoin de renfort. Ouais. Matt? Ouais. Matt Zuckerberg. Matt Zuckerberg. Et Steve Jobs. Il y en a un au milieu qui... Non, c'est pas Steve Jobs. Hein. Ah bon? Non. Rien à voir. Je sais pas qui c'est. Tout d'abord, il me faut le seigneur des geeks de la classe 5-1. Donc ça, j'imagine que c'est Matt. Pour lui, les magasins de BD d'Electropolis sont comme une deuxième maison. Okay. Ah bah non, magasin de BD. Bah oui, magasin de BD. À mon avis, c'est pas Matt. De l'école, il faut aussi le fils de Madame Descartes. De la requête du YBX. Donc ça, c'est Matt. Un geek parmi les geeks. Et celle est l'unique fils Descartes de la corniche. Ensuite, je veux ce super geek de Yopel, l'inventeur de Yopelbot. Et pour finir, le Yukai Je Sais Tout du musée expert de la culture geek. Pour cette équipe de pros, ta mise à jour sera grave du gâteau. Bien, que cela aille à la rencontre de mon programme, je te fais confiance. Je compte sur vous, Nia. On s'en charge. Okay. Alors, t'as retenu qui est-ce qu'il fallait voir? Alors, Savantar, Matt, un mec à manga amitié, et Ayopel. Ok, bah c'est okay, voilà. Bon, comme vous pouvez le voir, ils sont pas pingés, mais globalement, vu qu'on nous a donné les quatre identités et des lieux assez précis, c'est vrai que ça va globalement assez vite. Monsieur Hockenberg, c'est bien vous qui avez inventé le Yopelbot? C'est moi qui ai mené le projet, mais l'idée vient de Steve Jobs. Trop cool. Pourquoi cette question? Parce que ça fera de vous un geek fan de robots. Ah, tu ne crois pas si bien dire, j'ai toujours adoré les robots. Génial, du coup j'ai quelque chose à vous demander. Alors, est-ce que tu pourrais venir nous aider à améliorer un Robonian qui veut détruire le monde, s'il te plaît? Alors, vous êtes d'accord? Un robot ultime, tu dis? Je sais plus que d'accord. Tant que ça n'empiète pas sur mes responsabilités. Vous êtes giga cool, merci! Ok, envoie Adam. J'imagine que la deuxième personne doit être à manga amitié. Elle a parlé de manga. Je sais pas si elle a donné le nom exact du lieu. Bah, je sais pas, y a que manga amitié. Si, on a entendu parler de manga amitié. Ah, voilà. Ah bah oui. T'es qui toi? Mais alors on l'a jamais vu lui. Hey, qui aurait cru que je trouverais les meilleurs geeks ici? Hey, Ryan! Oh, Fluffy, c'est toi, qu'est-ce qu'il se passe? Si tu pouvais nous aider à... Allez, viens, le succès du projet repose sur tes épaules. Alors, tu veux mettre à jour un robot géant? Génial! On devrait débattre pour savoir à quoi ressemblera notre robot ultime, non? Nous connaissons, je suis sûr que les idées vont fuser. On préparerait même mieux comme sujet de conversation. Espérons que ça ne se transforme pas en sujet de Discord. Inutile de te demander si t'es partant, j'imagine. Tu parles que je suis partant. Giga cool, merci Ryan. Bon, je pense que pour l'emplacement de Savantar, on vous apprend rien. Voilà. On a été assez le voir dans l'aventure. Hé, hey, monsieur, je sais tout. Tu dois t'y connaître en robot, non? Savantar, tu m'écoutes? Oh, c'est vous. On a besoin de ton savoir sans fin. Ah oui, tu nous seras bien utile. Tu penses pouvoir nous aider? Encore une fois? Je suis un yokai légendaire, tu sais, j'ai un emploi du temps de ministre. Mais je suis sans doute le seul yokai à pouvoir t'aider. Donc j'accepte, bien sûr. Je le savais, merci Savantar. Et de toi. J'aimerais beaucoup regarder l'animé, juste pour une chose. La présence d'Ariane. Ah oui. Je veux non, voir... Je... Non mais je veux savoir la voix qu'elle a dans le manga, en fait. Bah, la même qu'ici, en fait. Merci. Mais, oui, mais enfin, je veux comparer si mon doublage est plutôt bon ou mauvais. Parce que franchement, je me suis entraînée à faire le giga cool quand même. Hein.
On est pas trop mal, hein. Je vais quand même vous montrer rapidement, je sais pas si tout le monde sait où est la maison de Matt. C'est vrai qu'on y a beaucoup été dans Yo-Kai Watch 2 et dans Yo-Kai Watch... Non, pas dans Yo-Kai Watch 1, hein. Yo-Kai Watch 2 exclusivement. Si, 1. Non, c'était le 2 avec sa Mega Watch. Pas de sinon le 2, effectivement. Je ouais. sais plus. De toute manière, la maison est notifiée sur la carte. Oui, la maison est notifiée, mais bon, c'est vrai que voilà, si voilà. on la voit pas, elle est dans un bout au fond. C'est le fils de la dame qui nous a donné la requête YBX. Eh, hey, tu collectionnes les maquettes YBX, pas vrai? Évidemment, toi aussi. Et comment? Je suppose que t'as un fan de robots comme moi, non? Ouais, je collectionne tous les robots, pas seulement les YBX, hein. Alors, j'ai une proposition pour toi, cher amateur de robots. Alors par contre, moi, si j'irais dans la chambre comme ça d'une personne que je ne connais pas, le mec il se retourne et dit « Mais qu'est-ce que tu fous dans la chambre, toi ?»« T'en dis quoi ?»« Ah, tu veux construire le robot ultime ? Génial !»« Je pense qu'ils te connaissent via l'agence. »« Ce sera un honneur. Ah oui. »« Giga cool, merci Matt !» Ah, on les a trouvés tous les quatre. Ah oui. Il ne manque plus personne. Ainsi se tient le recensement des geeks. Et Robonian 3000, c'est là qu'il va naître ? Nous sommes ici pour faire de ce robot la machine la plus puissante qui soit. D'accord. Et c'est un yokai, il le voit pas. Wow, il est gigantesque. Comment ça se fait qu'il le voit? Je vois pas comment on pourrait le rendre encore plus spectaculaire. Ah, je sais comment ça se fait qu'il le voie. En fait, j'imagine que le yokai est à l'intérieur du métal. En fait, il ne voyait pas le yokai, je sais pas comment expliquer. Et comment t'expliques qu'il peut voir Mark Zuckerberg? Vas-y, j'en sais. Il y a pas mal d'incohérences. Il y a une incohérence là quelque part. Intéressant. Allez, on se lance! Il est temps de laisser notre âme de geek s'exprimer. J'avoue qu'il y a quelque chose qui va pas là. What? Ah ouais! C'était tellement inattendu! Ah ouais! C'était inattendu et tu sais, j'en ai eu ma larme à l'œil! C'était. Il s'est amélioré 28 fois, mais continuez de perdre! Mais oui! C'est vrai qu'ils l'ont grave tué dans le truc! Franchement, merci, level 5, de nous avoir donné ça! Mais ouais, franchement, merci pour cette magnifique. Les petits films en fait! Ouais! Les petits films, à chaque fois qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'on fait une quête, à chaque fois elle est vraiment fantastique! Je sais pas si elles sont toutes comme ça ou quoi, mais regardez-moi ce qu'il y a, en plus il est trop beau. Ouais, c'est vrai qu'il il a fière allure, il est encore plus cool qu'avant. C'est grâce à toi, tiens, c'est pour toi. Waouh. Je me demande... Merci à toi. Je me demande ce qu'il vaut. Donc on va tout de suite aller voir ses stats, et surtout on nous a demandé, en plus de... Oh, oui, il y a légendaire Tsukiyaki. Ça c'est cool. Et on nous a demandé, en plus de regarder ses stats, on nous a demandé à chaque épisode de regarder aussi ce qu'il vaut en blaster. En blaster style. Ah oui, pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Appelle-moi quand tu veux, je mettrai ma forme ultime à ton service. Hein, il était pas venu nous détruire à la base? Il est devenu gentil, en plus on a changé le programme. Ouais, bref, c'est l'histoire de l'ancienne enseigne. Requête terminée. N'hésitez pas à nous dire si c'est mieux comme ça. Du coup, de mon côté, s'affichent les stats blaster style. Et de mon côté, les stats Yo-Kai Watch normal. Comme on connaît tous depuis le début. Du coup, c'est à peu près la même chose pour les stats force, défense, esprit, sauf que moi c'est marqué vitesse normale et toi vitesse 85, oui. Forcément. Et toi, ton talent c'est... Résiste aux événements et aux effets de cases négatives. Moi c'est insensible aux malédictions et pièges. Oh, ça peut être pas mal, donc il y a le même système d'insensibilité. Alors par contre, moi, pour le Yo-Kai Watch normal, ton attente 6, c'est énorme par contre. Hein. Ouais, c'est vraiment énorme. Après, c'est un tank, donc peut-être qu'il y a moins besoin de bouger. Ok, et au niveau des sorts. On n'a pas du tout les mêmes choses là.
Alors moi j'ai une technique tornade, puissance, ok. Tire des missiles à l'image de ses camarades sur les ennemis à portée. Okay. Si on continue, le coup ultime est tué. Ça n'a rien à voir les stats de blasters et les stats... Ah non, attaque 3 fois. Ouais, je savais pas que j'avais eu un Oussapine comme ça. Bref. Ok. Ça n'a rien à voir dans la vidéo. Bon, du coup, maintenant, on y pensera à vous montrer ce que vaut le yokai en mode normal, mais ce qu'il vaut aussi en mode blasters. C'est vrai qu'on n'y avait pas pensé, mais c'est vrai que ça peut être intéressant de voir un petit peu toutes les stats. Voilà. Eh bien, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à nous laisser un petit commentaire. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau yokai. N'hésitez pas d'ailleurs à nous en proposer en commentaire des réalisables, parce qu'il y en a certains qu'on ne peut pas encore faire, malheureusement, parce qu'on n'est pas assez... avancer ou au moment où qu'on n'a pas les bonnes quêtes au niveau du jeu. Voilà. Gros bisous tout le monde. Allez, salut tout le monde.